Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour un équipement que j'ai trouvé sur Call of Duty qui peut être pas mal pour certaines personnes. Il s'agit d'une AR M13 qui est modifiée pour faire en sorte que les balles vont tout droit, vraiment. Une précision qui est vraiment impressionnante. Vous allez voir, on va voir ça ensemble tout de suite et on va tester sur une petite partie privée avec des bots. Ça peut vous contenir en multijoueur comme en Warzone ou autre. Donc, en lunettes, moi je mets une VLK 3.0. Donc, vous voyez, en précision, on est augmenté. En bouche, bien sûr, il faut mettre un silencieux monolithique, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, silencieux, c'est pas mal. Sur le Warzone, surtout sur le Battle Royale. Le canon, un Tempus Tireur d'élite, qui va vous donner plus de portée de dégâts, des vitesses de balle et d'un contrôle de recul plus impressionnant. Donc, avec cette sorte de canon, en fait, moi j'ai découvert ce plan sur une arme qui était proposée en warm-up sur le Warzone. Sur cette arme-là, il y avait la poignée avant de mercenaire. Hein, c'est la meilleure qu'il y a pour avoir plus de avoir de contrôle du recul et une précision du jet qui est un peu plus augmentée. Mais moi, j'ai préféré mettre 60 balles dans le chargeur, car effectivement, moi, c'est principalement Warzone. Hein, il y a trois plaques de protection. C'est beaucoup plus primordial d'avoir des cartouches qu'il faut donner, surtout quand on en a 4. Des équipes de 4, etc. C'est un peu hardcore. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais sinon, on met carrément du 30 balles avec un peu plus de dégâts. Et en vrai, là, le peu qu'il propose en plus, ça vaut pas le coup. Donc voilà, moi j'ai mis 60 cartouches. Et j'ai enlevé la poignée avant de mercenaire. Mais en tout cas, si vous devez mettre une poignée, mettez celle-là. C'est la meilleure qu'il y a. Voilà, clairement. Ensuite, vous avez donc la poignée arrière, rien. Donc cartouche 60 pour moi. La Crossforge Tact Stalker. Donc voilà, c'est la meilleure aussi en termes de précision. Hein. Le but, ça va être d'être vraiment au maximum de la précision. Laser, rien. Pareil, hein, si vous voulez sacrifier autre chose, laser, ça augmente la précision. Et en atout, bah, vous mettez rien non plus. Donc, vous allez voir, ça donne une arme quand même comme ça. Donc le viseur, ça donne ça. Voilà. Et vous allez voir que les balles partent tout droit. Et principalement en Warzone, ça fait vraiment. Vous avez une certaine différence. Alors là, je suis en partie avec des bots et on va voir ensemble un peu comment ça tire à distance, etc. Vous voyez, là-bas, il y en a un. Vous voyez un peu, ça part tout droit. Hein, il faut tirer sur moi. Il tire sur l'hélicoptère, d'accord. Mais on va refaire un petit. Vous montrer un peu. Vous voyez, ça part. Il n'y a vraiment pas de. De recul en fait. Il n'y a pas de 60 balles. On va leur faire peur un petit peu. Allez, on va essayer, regardez. Et sans juger. Vous voyez, une grande distance. Donc, une grande distance, ça part un peu, hein, c'est normal. Ouais. Tac. Ça part vite. Faut s'imaginer en Warzone avec. J'ai un peu fail. J'ai plus de balles par contre. On va se refaire celui-là. J'ai pas un tir en pleine tête. Là. Là. J'ai plus du fait avoir, j'avais plus de vie. Donc vous voyez, ça va vraiment tout droit. Il n'y a pas de. On va s'en faire une petite dernière encore pour vous montrer. Regardez, quand tu tires. Donc là, je maintiens la souris vers le bas. Mais ça part pas, quoi. En plus, esthétiquement, elle est plutôt jolie. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Tu me diras. Allez. On va chercher un peu la bébête une dernière fois. Donc, surtout, si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à mettre votre config sur le. Les commentaires de la vidéo, hein. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, etc. Hop. Ça part bien droit en fait, hein. Donc c'est plutôt agréable. Aussi. Ah, il faut que tu fais baiser avant. Longue distance, ça passe aussi. Hein, voilà. Donc après, avec les plaques sur le Warzone ou sur pillage, c'est totalement différent. Vous allez voir.
Tac. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, allez, on passe. Et surtout, abonnez-vous, partagez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très, très important. À une prochaine. Banzai.